Il faut savoir que le département des Pyrénées-Orientales est le département français où il y a le plus de réserves naturelles. On a 11 réserves naturelles dans le département, chose assez exceptionnelle. Ces réserves naturelles, au moment de leur agrément, cet agrément avait été obtenu avec l'accord des chasseurs, parce qu'on avait discuté, on avait bien dit, attention, nous ce qu'on veut, c'est qu'on puisse quand même conserver une chasse raisonnée et raisonnable dans ces réserves-là. Cette année, au cours d'un plan de chasse demandé sur le Grand Tétras, on avait demandé 4 coqs à prélever. On nous en a accordé que 3. Bon, le quatrième nous a été refusé sur le critère qu'il était dans une réserve naturelle. Il y a une motion qui a été donc co-signée par plusieurs présidents pour signaler ce changement de cap entre le fait d'avoir une réserve naturelle, on y est d'accord, on aménage souvent nos objectifs en fonction de la réserve, mais pas pour supprimer, pour sanctuariser tout un autre souci, c'est que ce ne soit pas une sanctuarisation, et on nous l'a refusé. Donc ça a monté un peu la mayonnaise, là, et on a sorti cette motion qui est à direction du préfet.